On m'a rapporté hier un épisode qui n'a peut-être pas été mis assez en avant aussi. C'est un loup qui a été vu dans la station depuis Saint-Vincent en train de capturer un chevreuil en plein après-midi et dévorant le chevreuil à la vue de tous les touristes qui étaient en train de se baigner dans la piscine. Donc je pense qu'il y a effectivement des loups qui sont présents sur le département, qui créent des nuisances et des problèmes énormes sur les troupeaux, mais qui, du fait de leur prolifération, vont créer au fil du temps d'autres problèmes que j'espère on arrivera à contenir et que les élus sont aussi en train d'avoir une prise de conscience sur ce phénomène-là. Aujourd'hui, la récurrence des dégâts, on est à plus de 500 brebis tuées cette année alors que l'été n'est pas terminé. On est des constats d'attaques réguliers, pour ne pas dire quotidiennement, sur tous les secteurs, sur toutes les vallées du département. On est en plein développement du loup qui ne laisse aucune minute de répit. On le dit depuis longtemps, mais ça suffit. Il faut effectivement que les bonnes décisions soient prises pour que les secteurs de l'élevage puissent travailler de façon harmonieuse.